Avoue que c'est louche quand même. Les yeux rouges de Léonard, oui, il a un problème. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Plongez chez lui le soir pour comprendre. Minuit. Après un long moment sur les réseaux sociaux, Léo ne dort toujours pas. Il a une partie en ligne à jouer avec un copain. Il se met au lit vers 1h. Mais au milieu de la nuit, il y a des alertes sur son portable qui sonnent. Et le matin, au saut du lit, les news, les mails, les chats et autres messages. Quand il arrive au lycée, il est en ligne encore avec le copain des jeux vidéo. Vous l'avez compris, Léonard est accro aux écrans. Mais au lieu de le regarder de travers, les copains feraient mieux de se regarder eux-mêmes. Et c'est pareil pour nous tous. Alors, qui nous rend accro aux écrans ? D'abord, c'est une évidence. Les écrans sont présents dans tous les secteurs de notre vie désormais. Le travail, les loisirs, l'amitié, l'amour, les achats, même chez le docteur. Ou dans les salles de classe, on les utilise de plus en plus. Et regardez donc une salle de restaurant, le nombre d'écrans allumés qui s'incrustent dans les conversations. Et on ne parle même pas des objets connectés. Ensuite, le modèle économique d'Internet pousse à nous rendre accros. Ce qui fait la valeur d'un site pour les publicitaires, ce sont les données personnelles qu'ils récoltent. Or, quel est le meilleur moyen d'en récolter ? Eh bien, tout faire pour que nous passions le plus de temps possible sur nos écrans. Alors, chaque jour, sont inventés de nouveaux logiciels, de nouvelles couleurs, des éléments de design pour nous rendre captifs. Réfléchissez à ce seul détail. Aujourd'hui, les fils d'actualité se déroulent à l'infini. En France, on dort désormais moins de 7 heures par nuit en moyenne, notamment à cause des écrans. Le temps que nous leur consacrons est pris au temps de sommeil, de réflexion, de discussion. Les excès d'Internet renvoient aux excès de la société de consommation. Nous pouvons tout avoir en un clic et une seconde aujourd'hui. Comment résister ? Pour en finir avec les yeux rouges, Léonard avait désactivé toutes ses alertes. Et puis Cindy lui a dit « T'as pas reçu mon dernier message. Dommage. » Il a tout réactivé. Ladies and gentlemen.